Bonjour YouTube, c'est encore moi, et aujourd'hui on va gagner à TFT. On vient de gagner déjà, alors bon, je pars du principe qu'on peut encore gagner, ce serait bien. Moi ça m'arrangerait, je dois avouer que jouer pour perdre, ça ne me tente pas des masses. Donc on n'a plus qu'à croiser les doigts pour gagner encore et encore. Alors, est-ce que j'ai moyen de faire des miracles? Bon, ça on peut faire, pas de soucis. Waouh! Avast m'envoie un mail, je peux bénéficier de 50% de réduction. Incroyable, Avast, incroyable. Ah, quelle chaleur! Plus de 32 degrés, ça va, c'est pas du tout proche de la température naturelle de mon corps, du coup. En théorie, on ne devrait pas suer s'il fait la même température dehors que dedans. C'est pas normal. C'est le corps qui va se dire, ok, c'est ma température, je suis bien, j'ai juste pas besoin de faire d'effort. Donc le corps devrait juste moins consommer. Parce qu'il aurait pas besoin de chauffer vu qu'il serait à température normale. C'est étrange quand même. À part le scrotum, hein. Le scrotum c'est votre partie qui maintient vos testicules. Hein. Je crois que c'est 27 degrés, un truc comme ça. Puisque le sperme a besoin d'être plus au frais que le reste. Voilà, du coup votre corps doit maintenir le scrotum au frais, si vous ne le saviez pas. Je vous apprends des choses hein. Sur mon stream, comme ça on apprend des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, le Varus arc courbe, il est pas mal. Bon, bah, alors, Rek'Sai, l'arme de Hadès, hein, j'en ferai. Je ferai pas de truc de Rek'Sai, mais l'arme de Hadès, c'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Wouhou, je commence avec 20 points de mana. Yeah! Si, c'est incredible! Allez, Rek'Sai! Ouais, t'es le meilleur perso du jeu! Wouhou! C'est exceptionnel de jouer avec toi, Rek'Sai! Peut-être une Rek'Sai culte tout le temps, c'est fort, hein! Comme un Pyke! Je sais pas. J'aurais que je suis curieux, tiens. C'est vrai que faut tester un jour Rek'Sai niveau 3. Full stuff, voir ce que ça donne. Toulou. Dans ce jeu, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire plein de choses à côté. On peut parler avec le chat, quand le chat est vivant. Vous êtes tous morts. Are you dead? Is it the chaleur who make you dead? Très bien, écho de Luden. Je n'ai pas de perso qui en bénéficie là, mais un écho de Luden, plus tard, genre sur un brand, ça peut être bien. On va presque avoir un wild. Le shapeshifter, je crache pas dessus. On a le buff wild déjà. J'aurais bien aimé choper le Rengar pour un autre buff wild, mais je peux pas. Quoique, il faudrait que je vende lui, lui et lui. J'ai pas trop envie. C'est pas worth de faire ça juste pour un wild. Alors. Tuez-les tous. Tuez-les tous. 0,84. Et il est au max. Des pièces. Bon! Eh ben j'aurais pas eu beaucoup d'items, hein! Il y en a qui ont déjà 6 items ici, là, certainement. Écoutez, on va voir ce qu'on a. Mais... Là, j'ai rien d'intéressant. Donc, je vais pas jouer la win, hein. J'ai pas de perso niveau 2, j'ai genre strictement rien. Elle est mieux que Darius, je trouve. Genre vraiment. Elle a 200 points de vie de moins, mais elle attaque beaucoup plus vite. Du coup, toutes les 4 secondes, il y a une chance d'avoir un crit. Il lui faut un petit peu plus. 8 secondes. On va voir. Alors, combien il aura d'items? 3 items. Il a eu un item de plus. Là, de toute façon, à partir du moment où vous n'avez pas de niveau de perso niveau 2 au début, pas de bon combo, autant jouer la loose. Hein.
Vas-y, Ndali, tu peux la tuer. Perds pas trop de points de vie, c'est déjà ça. C'est déjà ça, de toute façon. Salut Zigaral, c'est quelle rank? Ah, j'ai pas beaucoup joué malheureusement depuis qu'elle est rankée. Du coup là c'est du bronze 4, je crois. Je t'avoue que je suis le premier déçu de ça, mais on se débrouille comme on peut. On en est. Le Luden sur elle il est pas mal, mais le problème c'est que je peux faire d'autres items bien plus intéressants avec ça. Je peux faire une Shojin, je peux servir une hache ou autre. Je peux faire Rabadon pour plus tard vraiment. Yordle sort d'une broken, ça dépend des trucs. Il fait trop chaud. Oui! Oui, il fait trop chaud! Là, on le voit pas, mais je suis trempé de sueur tout là. Donc là, je passe mon doigt, ça fait zzzz. Dans le dos, c'est pareil. C'est incroyable de sexiness. Bonjour, Pomme. Mais bon, comme je peux pas stream torse nu, du coup, j'ai chaud et tant pis. C'est pas grave. Regardez le sourire. On veut pas les détails, on veut pas les détails. Genre. Faut que je scanne un truc après. Ah bah c'est dommage, t'étais là tout à l'heure. Le problème c'est que pour mon scanner est là, mon PC est là, faut que je trouve un câble assez grand. Enfin, faut que je déplace ce scanner, c'est une vraie galère. Mais bon, c'est pour être le partenaire, alors c'est worth. Hey, merci beaucoup de ton follow Zigaral. Welcome. Sardoche serait déçu. Je streamais torse nu il y a plusieurs années de ça, genre vraiment, mais c'était... C'est il y a longtemps. Maintenant tu fais ça, t'es en mode, t'as des screens de toi partout et tout, alors... Je vais éviter quand même. On va éviter. Puis on va supporter la chaleur, tant pis. Là, intérieurement, je meurs, je suis très énervé à cause de la chaleur et tout, mais c'est ok. Tout est dans le contrôle. Avoir le contrôle de ses émotions, c'est la meilleure façon de devenir grand maître chinois, ce qui n'a aucun rapport. Évite. Ah bon? Tu voudrais pas? C'est difficile, il faut acheter une clim. Eh! En fait, t'as le prix de la clim de base qui est assez cher. Et après, t'as l'électricité que ça consomme, c'est assez infâme, vraiment. Petit GP. Et comme ça, je peux déjà avoir le buff 4 Gunslinger, pas GP. J'ai quoi? BF Glaive? BF Glaive, c'est pas mal, hein. Ça m'embête que ce soit sur. Allez vous faire enculer. Je suis désolé, j'en ai marre. J'en ai marre! Chaque fois que je veux des items, je les ai pas. Non, mais laisse-moi lâche. Cœur gelé, je sais pas. Ah, ça fait deux games de suite. Vraiment, c'est terrible. Je pique toujours en dernier, quoi. Toi, tu t'en vas. Toi, je sais pas ce que je ferais de toi, mais je ferais peut-être un truc sympa. Est-ce que je veux vraiment un cœur gelé sur Warwick? C'est la question que je me pose. Pour électricité, elle tourne 15 jours dans l'année, au pire. Un peu plus de 15 jours dans l'année, tu vois. Et du coup, je vais pas payer ici un truc à 600 balles pour 15 jours. Enfin, tu vois, c'est toujours ce même problème de rentabiliser, quoi. Est-ce que je prends un Tristana? Je peux vendre une Fura pour une Tristana. Oh, lui, il va m'éclater. Alors, lui, il va tellement m'éclater. Regardez les items qu'il a, regardez les items que j'ai. J'ai un petit ventilo qui tourne. I've got a little ventilateur ou Easterning. Un produit souffle. Oh oui, bien sûr. Ah, j'en aurai une plus tard. Mais bon, pour l'instant, j'ai ma petite vie tranquille. Un jour, je vivrai dans le luxe et l'opulence. Un jour. C'est le but de beaucoup travailler. Mon but, c'est d'avoir plein de thunes en faisant un truc qui me plaît. Voilà. Juste pour me dire que si je veux faire un truc, je peux sans que l'argent soit un problème. Déjà, argent. Tant que c'est pas un problème, ça t'évite un gros poids mental. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. De la salle gardien. J'en fais pas grand chose de ça. J'en fais vraiment pas grand chose, hein, ma foi. On va continuer juste de perdre. Tant pis. Mon job, j'aime pas, mais au moins ça paye. Je voudrais pas ça. Le seul truc que j'aime pas dans mon job, c'est le fait d'avoir des temps de trajet de ouf parce que bah, c'est région parisienne. Mais j'ai trop détesté dans ma vie les moments où je devais me lever, où j'étais juste dégoûté de devoir aller travailler.
Après, le problème, c'est que mentalement, enfin, je sais comment gérer ça, c'est-à-dire que mentalement, je me mets dans une bulle comme si c'était, j'étais pas dans mon corps, si vous voulez. Comme si mon corps, voilà, c'est un robot, il fait l'action, allez travailler, bam bam bam. Et je vis que en dehors du taf, mais c'est pas un truc qui est super agréable, quoi. Il est un peu chiant leur buff noble, hein. Ah, Nida, tu vas mourir. C'est pas très grave. Bon, je fais win-lose, win-lose avec. Le job fait rêver pas mal de gens, dont toi. Bah, évidemment, parce que d'un point de vue extérieur, tu dis juste ouais, comment des jeux vidéo. Ce que vous voyez pas dans mon job, c'est que. À côté de ça, alors d'une, j'ai aucune assurance de quand je vais gagner de l'argent ou pas. Parce que je sais jamais trop à l'avance vraiment quand je vais travailler ou autre. Ce qui est quand même très important, je trouve. De deux, je sais jamais à l'avance mon planning. Donc au niveau de la vie privée, je vous assure que c'est une vraie galère quand tu peux pas prévoir ce que tu vas faire en mode « Eh bah tiens, on se voit là !» Ah bah non, je sais pas en fait si on peut se voir parce que je sais pas si je travaille. Attends, tu le sais quand? On est lundi? Bah je serai lundi soir pour la semaine. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de petite merde. Il y a plein de petits détails qui sont comme ça. Étant une image plus ou moins publique, les gens, s'ils veulent t'insulter, ils t'insultent et ils savent que c'est toi. C'est pas ton entreprise qui t'insulte ni rien, c'est toi, juste parce qu'ils ne t'aiment pas. Pas parce que tu travailles pas bien, juste parce qu'ils ne t'aiment pas. T'as plein de petits côtés auxquels tu penses pas forcément en fait. Ça veut pas dire que mon job est pas cool, hein. Il y a comme des trucs très très sympas, mais il faut prendre en compte, je pense, tous les aspects. Je pense que c'est assez important de prendre tous les aspects en compte. Je peux faire un red buff. Je peux faire Tristana red buff, limite. Est-ce que je fais Tristana ou Graves red buff? En temps court, planning pose aucun problème, je pense. Alors, je vois pas le rapport entre le fait d'être un ours et le fait que le planning pose aucun problème. On va essayer de faire ça. Lui, avec un Luden, ça peut être rigolo, peut-être. Je vois pas trop le lien, je t'avoue. Parce que c'est pas une question d'ours, c'est... Enfin, j'aime beaucoup rester chez moi, mais même juste pour voir des gens. Et étant couple, juste pour voir ma chérie, si tu veux, c'est galère. Parce que tu sais jamais à l'avance comment tu peux gérer, donc c'est-à-dire qu'elle de son côté, si elle prévoit des choses et que toi c'est en mode « Ah bah là je travaille au moment où on pouvait se voir », bah tu vois pas la personne, enfin tu vois, c'est un cumul de plein de choses. Et pourtant je suis pas à vouloir sortir ou autre, je m'en fous complètement de sortir, hein. C'est même pas le truc qui m'intéresse. C'est même pas ça la question. Ça m'aura pas de parler de gens pendant plusieurs jours, ça je m'en fous des gens, c'est pas les gens qui m'intéressent, faut bien comprendre ça. C'est une personne. Quand une personne que tu vas voir, c'est chiant quand même. Toi, viens là, hop. On est en série de 2 wins. C'est pas... C'est ok. C'est ok, en vrai. Je m'attends à pire. Si je peux faire évoluer Linda, après je pars sur du shapeshifter. Lui, je le remplace par un GB pour un gunslinger. Il y a des trucs à faire. Oui, non, pas voir de gens, je m'en fous. Moi, si je pouvais, ma vie, juste rester chez moi tout le temps et jouer au PC, j'aimerais bien, mais... Tu peux plus supporter. Ça pèse bon, il change. Ouais, non, ça. Puis il y a aussi le côté en fait en termes de santé. En termes de santé, faut se rendre compte que quand t'as des horaires complètement aléatoires, que tout le temps tu dors pas à la même heure et tout. Donc, déjà, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'endormir, ce qui est très chiant. Et du coup, j'essaie quand même de me lever tôt, mais ce qui fait que soit je suis fatigué, parce que bah forcément j'essaie de me lever tôt, soit je perds la moitié de mes journées parce que je dors, que je m'endors tard et tout. Enfin, c'est. Vous voyez, c'est un combo qui est assez chiant. Faut qu'il aille ramasser ses coffres, lui. N'empêche pas que mon taf a plein de côtés sympas, qu'on soit d'accord. Mais ouais, non, c'est important d'avoir tous les tenants et aboutissants. Bon, je suis content de gagner quand même quelques trucs, c'est juste que j'ai quelques buffs, le Gunslinger, le Wild. Peut-être que le Red Buff sur Lucian aurait été mieux d'ailleurs. Vu qu'il tire un peu plus souvent avec son double shot, je sais pas trop. Oh, la plus de vitesse d'attaque, bref. Ouais. Tu vas faire combo Gunslinger ou le Nasser? Bah je sais pas. Ça dépend ce que je drop, tu vois. Si j'ai plus des Blade Master, oui. Si j'ai plus des Shapeshifter, je prends les Shapeshifter. Là c'est la compo du je perds le moins de points de vie pour l'instant pour essayer de m'adapter. C'est bon, mon Lushan, y a pas d'H. Salut Kirei, comment tu vas? Bah ça fait clairement longtemps, ouais, tu me dodges maintenant. Bravo. Ah bah bravo, moi qui étais là dans les moments les plus durs de ta vie. Moi qui étais là pour te changer tes couches. Je suis tellement déçu. Atrox. Il a déjà un BF Glaive, je peux en faire un GA.
peut-être. J'aime bien l'idée du Aatrox. Je n'aurais pas le Aatrox. Cho'Gath, Lampe d'Hadès. Je sais pas exactement ce que je vais faire la Lampe d'Hadès pour l'instant, mais. Je sais pas si c'est worth sur un Lucian de faire un Archangel. Je sais pas trop, je suis un peu perplexe. Ouais, non, là, actuellement, dans ma vie, le premier truc que je voudrais changer, c'est mes temps de trajet. Temps de trajet, je passe trop de vie dans les transports, sachant que je. C'est pas juste que j'aime pas les transports, c'est. Je supporte pas ça. Je demande les transports en mode je suis pas bien, quoi. Ouais, il me faut un bève-glaive, c'est un peu le problème, quoi. Ah, salut, vous. Mais ouais, non, dans les transports, en fait, je suis pas bien, et du coup, mon seul moyen, c'est encore une fois de sortir mon esprit de mon corps, si vous voulez, d'être en mode, voilà, je ferme les yeux dans les transports, et j'imagine que je suis pas là, sauf que du coup, c'est un temps perdu qui est assez ouf et qui est désagréable, et que tu peux pas toujours tout faire quand il y a trop de gens, que t'es trop paqué avec les gens, genre, t'arrives pas à te sortir comme ça, truc. Sinon, l'autre truc que j'ai trouvé, c'est de bouffer des trucs sucrés, mais alors, dans ce cas, je deviens un gros lard, donc on évite. Ça, les transports, c'est vraiment une de mes hantises dans la vie. C'est con quand même, dans la région parisienne. De toute façon, c'est log, donc ça me changera rien. Allez, viens là, poteau. Mais ouais, du coup, j'aimerais bien l'année prochaine, si je peux, c'est déménager. Alors, de toute façon, je vais. T'arrives pas à lire? Parfois, si je suis bien installé, mais c'est pareil, ça reste du transport et je suis pas. J'aime pas, si tu veux, me dire que c'est du temps que j'ai pas. Moi, en fait, avant le côté physique, il y a aussi le côté mental où c'est du temps où pendant 1 h 30, 2 h, je suis pas payé. C'est du temps que je suis obligé de prendre. Surtout que j'ai 5 changements, donc même lire, regarder des trucs, je le fais. Mais c'est chiant, c'est-à-dire qu'avec 5 changements, tu vois, t'es pas posé dans ton truc tranquillement. C'est vraiment un cumul de merde. De toute façon, l'année prochaine, je vais être obligé de déménager au moins pendant un temps, parce que la maison dans laquelle je suis, proprio, va construire plein de trucs en plus dessus. Pendant plusieurs mois, je peux pas être dedans, mais j'aimerais avoir trouvé un appart ailleurs d'ici là, quoi. Et bonjour, Grofino, et merci, Anthem, merci beaucoup Merci du host, bonjour à vous, Anthemiens et Anthemiennes. J'espère que vous allez bien. Ah, est-ce que je le bute? Est-ce que je le bute? Et Soren, le host, what? Pourquoi Miss? Ok. Il a peut-être. Ah, il avait le bonus hurdle, pardon. Il avait le bonus hurdle, ok. Du coup, on en est où? Ok, Nida, merci. Passif hurdle sur Samus, ouais, du coup, on est d'accord. On est d'accord. Hop, lui va taper tout le monde, c'est bien. Est-ce que je roll? Oui, on va roll Glacial Brawler. Mon élémentaliste, après plutôt ça peut être sympa. Attends que je suis. Pourquoi ça tuto? Oh, ça date. Aïe aïe. Je suis en quoi? Je crois que là c'est du bronze 4. Hein. J'ai depuis Ranked en fait j'ai pas beaucoup joué du coup. Le rank n'est pas incroyable. Alors je peux lui mettre un deuxième Ludel à ou Shojin. Écoute poteau, j'espère que t'es grave chaud Lucian. Dragon Shapeshifter, il y aura un truc à faire avec ça. Il y aura un truc à faire. Démon Shapeshifter, on sait jamais. Pirate Gunslinger, ok. Bon! Là, actuellement, j'ai mon Wild qui me sert à rien, qu'on soit d'accord. Je pourrais avoir le démon. Le Wild, il est juste pratique pour l'instant. Ça pète un Fluden, Lucian. Ah, j'en sais rien. J'ai pas trop fait gaffe. Du coup, tu me fais me questionner là? Je ne sais pas. I don't know. Ok, il a Yordle, Elementaliste et un petit Gunslinger. Effectivement, je sais pas si Luden il proc sur Lucian. Tiens. Je me pose la question. J'en ai aucune idée. I don't know. Tu veux. Ah oui, non, mais one shot toute la team ennemie, c'était un bug. Ça méritait pas un nerf, ça méritait une correction de bug, tu veux dire. Je peux pas tout avoir.
On va imaginer que j'aurais pas la liseron 3 de toute façon. Hop. Ah oui, mais parce que Luden avait un proc sur le Rabadon, je crois. Une connerie comme ça. C'était un petit caca du genre. Je pourrais poser la Elise ou le Brand. Hein. Et le Brand mettre un Luden, quelque chose comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, je vais peut-être revendre le Lucian pour mettre Brand hein, en carry à la place. Ça reste quelque chose de tout à fait possible. Ok. T'es trop forte quand tu morphes, Nidali. Ouais. C'était génial. Morphe-toi plus souvent, wouhou. Lucian. Tristana me sert genre à rien. J'ai vraiment l'impression qu'elle est inutile, la Tristana. Pourtant, elle fait du dégât. C'est terrible. GPAP, c'est rigolo aussi. Oui, salut trop. Non, mais j'aimerais bien. Hein. J'aimerais bien Kyrie. Mais bon. Tu joues pas méta? Non, je joue jamais méta dans LoL ou autre. J'adapte selon ce que j'ai quoi. Là, j'ai clairement pas envie de faire des trucs. Assassin, Zeke, machin. Wild Elementalist, ça peut être rigolo, Wild Elementalist. Merde, je sais pas si c'est qui a marché. Oh, le désarme est pas mal, mais il va être pris d'ici là. J'aurai pas le bonus 4 fois, il en fait, donc ça sert à rien. Je vais prendre l'arme de la DS, je crois. Pique tout ce qui m'intéresse. A chaque fois, à chaque carrousel, je suis trop haut et du coup j'ai pas ce que je veux. Ça me rend fou. A chaque carrousel, ça fait deux parties de suite où j'ai jamais un seul item qui m'intéresse dans le carrousel. Ah là là là. A plus en thème, passe une bonne après-midi. Bon séjour au lac. En fait, pas moi, j'aurais un brand de fou. Oh, salut. Je vais passer sur les shapeshifters, à un moment ils vont commencer à parler chinois. Shapeshifter élémentaliste, ça peut être un truc rigolo ça. Faut que je chope une Lissandra pour l'élémentaliste, mais... Je peux virer lui, lui et lui. Comme ça j'ai toujours le buff Gunslinger sur ces deux-là. Y'a peut-être un truc à faire, shapeshifter et mentaliste. Comme Gob et Shenlou jusqu'au deuxième carousel. Oui, mais si après t'as pas les bons trucs, en fait, tu remontes pas forcément, quoi. J'ai toujours ce problème de me dire, eh oui, mais imaginons qu'après j'ai pas de chance. Démon Blade Master, je t'aime bien, toi. Du coup, lui, finalement, je vais le virer. Lui aussi. Bah évidemment, il revient là. Crétin. Pas un petit brand là. Dommage. Si je chope une Lissandra, je peux faire ça. Avant notre doigt, et c'est mettre une Aurélion seul pour dragon. Bah ouais, mais en fait, c'est peut-être un seul Aurélion que j'ai passé. C'était le même à chaque fois. Oh, il a un Volibertier 3. Je suis tellement mort. Je suis tellement mort. Regardez quand il va ult. Eh hey, bonjour, vous êtes tous morts, je suis Volitière 3. Eh hey, coucou. Ah. Ça va, Imhotep. Ça va. Ça n'a aucun sens. Bon, allez, on va up de level, tant pis. Ah. Piu.
Donc j'ai le démon et le shapeshifter, je vais l'avoir après. Élémentaliste, j'ai pas encore, on l'aura plus tard. Je pourrais virer Graves aussi, mais faut que je up encore de level pour avoir l'élémentaliste full. Oh, un BF glaive maintenant! Oh! Je peux faire une Shojin! Lucian double Shojin, ça ne sert à rien. 15%. Pas grand chose. Tyrol au cas où. Y'a rien. Sur qui je mets la Shojin? Brand? Allez hop. On va faire ça. On va faire ça. Ah, Le problème, c'est que le Brand fera que je passe niveau 2, mais avant, il faudra que je up de level pas mal. T'inquiète, Brand, tu vas ulti un jour. Vas-y, Brandino! Super. T'es nul. T'es nul. Même ta mère, elle voulait pas te reconnaître à la naissance. Brand Shojin tier 3. Alors, j'ai jamais vu de Brand tier 3. J'aurais bien aimé, mais je n'ai jamais eu cette chance. It's ok, je vais finir par avoir des trucs cool. Someday. J'ai tellement pas envie de jouer au Rayon de Sol, c'est terrible. Je vais refaire ma transition plus vite que prévu. Hein. Je vais devoir dépenser du gold là. On va devoir dépenser du gold. Je suis le seul qui a une écho en fait. Ils ont pas d'écho en fait les autres gens. Ok. Bon. Voilà. Élémentaliste. On l'a. Toi, tu dégages. J'ai élémentaliste, démon, gunslinger, ninja. C'est vrai que j'ai ninja, lol. Ça m'arrangerait d'avoir un brand. Ouais. Ok, Atrox, c'est pas mal. Bon. Brand tier 2, Kennen tier 2, déjà ça ferait le taf parce que là je perds pas max de points de vie, mais on n'est pas sur quelque chose d'incroyable non plus. Qu'est-ce que j'échoue en fait? Ah, j'ai pas d'item. J'allais dire, Rame de Hades me plaît bien, baguette explosive, baguette rose, pardon. Baguette trop grosse que je mets sur le brand. Où j'en suis de toute façon. Et on va roll. On va max roll là par contre. J'ai pas envie de faire en dessous de top 4. Lui il peut se faire éliminer rapidement mais. Fantôme sorcier, bah oui mais bon. La Sanat, Wild Yordle, Shapeshifter. Ah oui mais il faut que je mette un Shapeshifter. Tant pis pour le pistolero, toi tu dégages. Tu vas aller sur lui. Tac. Et on roll.
Il y a eu un Kennen, je suis complètement con, je viens de capter que je cherchais les Kennen. Et j'ai oublié que j'ai cherché. C'est débile. Kennen, ta skin de Kennen qui avait passé 2 étoiles, tu l'as refait. Oui, ben. Ce qui est bien, si tu veux, c'est que tu me dis les choses, enfin, oui, parce qu'il y a le délai avec le stream. Juste après que moi-même je me dise non, ah, j'ai pas pu lock. Ah, j'ai pas pu lock, fuck. Mais je trouve ça beau en fait, c'est qu'on a les mêmes idées, sauf que du coup. Il y a le temps de le voir et que je me dise, hey, mais au fait, je veux Kennen. Ah, Brand, merci. Shyvana, parfait ça. Oh, le Lucian, je vais bientôt le vendre, je vais le dégager et je vais foutre je sais pas quoi à la place. Hein. Parce que Lucian, là, il me sert à rien, je peux mettre un démon. Il y a quoi un démon qui est cool? Il y a quoi comme démon qui peut être cool? Ah, plus qu'il reste. C'est vrai, pour y avoir Swain. Morgana? Oh, je vais pas lock pour une Morgana. Ah, mais il est sympa cet ulti! C'est incroyable l'ulti de cette. Elle. Ah, je faillais être vulgaire, je me dis faut pas être vulgaire, c'est pas bien. C'est pas bien être vulgaire. Salut Corandolis! Comment tu vas? Pas de brand tier 3, je pense. Écoutez. Au point où on en est. Ça, c'est pas intéressant sur elle. Ça va, ma foi. Sur qui je peux mettre la Shojin pour que ce soit bien? Kennen ou Aatrox? Et ben voilà. Elle aurait été bien sur lui la Shojin sinon. C'est d'une tristesse sans nom. On va mettre là lui. Ah, ah non, attention, y'a personne qui joue des Blitzcrank. Hop, et là Shyvana a détruit tout. Et bam! Pourquoi elle attaque pas? Shyvana? Mais elle est buggée! Elle est buggée! Mais! What? Ça fait 10 armes. Ah merde, j'ai même pas vu. Autant de temps que ça? Genre, moi, c'est pas dit, tiens, je vais me réarmer. Non, parce que là, je perds juste parce que ma Shyvana s'est faite 10 armes, quand même. Je trouve ça d'une tristesse sans nom. Et j'ai pas un Kennen. Parce que là, sinon, elle les éclate, hein, Shyvana, mais quand ton perso le plus fort peut pas taper. Ah, alors là, je pense que je me fais détruire. Elle a fait le tour. Ça m'énerve. Ah bah quand Shyvana peut taper, déjà, c'est mieux. Ça veut pas dire qu'elle touche tout le temps, mais quand elle peut toucher, ça marche mieux. Il n'y a pas de Kennen, il n'y a pas de Swain. Non mais, et des cartouches, j'en ai vu plein depuis tout à l'heure. Mais... Oh, il m'agace. Oh, il m'agace. C'est frustrant ça. C'est... Je veux du Kennen ou du Swain.
Sylvana, s'il te plaît, déconne pas. Voilà. Tabasse les petits sur les côtés, Sylvana. Fais ton taf. Tu morphes et tu les détruis tous. Voilà! Vas-y, Sylvana! C'est exactement ce que je voulais. Ah, mais c'est un clone. Je cherche Gnar, pas Kennen, non? Ah, j'ai dit Kennen, pardon, je pense Gnar. Parce que j'ai pas besoin de Kennen. Donc là, il y a des tiers 5, mais c'est pas Swain. C'est des tiers 5 dont j'ai rien à péter. Non, mais ça va. Hop, on va prendre l'arme de Hades pour mettre sur Brand. Ah, mais on est plus que 2, donc je fais top 2 au moins. Ah, bah ça va. Ah, j'aurais pu virer Aatrox et mettre la Kayle. En standalone, elle est pas mal. Ah, merci. S'il y a un Swain qui apparaît après, je suis deg. Ça va. Je sais pas combien de Karthus, mais il y en a beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Bon, on verra. Si Brand peut ult, ça peut faire le taf. Faut que Brand ult, quoi. Allez, Brand. Allez, Brandino! Gnar, Gnar, Gnar! Il a pas morph le Gnar, mais ça va, y'a Sylvana. Y'a Sylvana, arrête de rater. Voilà, détruis-les. Ah là là. Un petit Swain, juste pour le plaisir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Swain! 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 Je serais curieux de voir ça. Damage per tick, Soul Flare Damage. On passe à 600. Heal, 90. Dégâts, 100. Bam. Bon. Bon, bon, bon. Oh là. Donc là, vous voulez dire que j'ai aucun de mes persos qui a morph? Ok. J'ai aucun de mes persos qui a morph. C'est donc le top 2 de la déception. Ok. Bon, bah, c'est pas grave. Top 2, c'est déjà pas mal.